Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le Radio Show. Bel bonsoir, bel bonjour, les moments et là, ça a fait nous plaisir de trouver les autres. Deuxième partie de l'émission comme convenu, comme prix, avec notre ami Philippe Pilotin, qui n'est plus à présenter. On va quand même le présenter rapidement, puisque vous le savez, cette émission est diffusée sur Télé Antilles, le réseau Télé Antilles, toute la France, la Corse, Free, Orange et Bibox, le réseau, et puis également sur la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, par le biais de KMT Télévision. Et pendant moi, là, Maka salue toute l'équipe de KMT. Bel bonsoir Philippe, comment va-t-il? Eh bien, ça va, toujours égal à moi-même. Ouais. Deuxième partie, alors toujours élégant Philippe, je te promets, non, je veux pas, on va le dire clairement, à chaque fois Maka, wow, Philippe, tu es toujours dans l'élégance, c'est-à-dire que costard cravate, c'est important pour toi. Alors, c'est-à-dire que, comme quoi que l'habit fait pas le moine, mais oui. Il faut savoir aussi que ça fait partie de ma personne, savoir avoir une propreté. Comme souvent je dis aux gens, je ne mets pas de parfum. Ils m'ont dit, pourquoi tu ne mets pas de parfum? Je vais expliquer pourquoi. Si vous ben, pas, ne mettez pas de parfum en l'air. Quand je vois des gens qui mangent des chewing-gums à longueur de journée, si vous mangez des chewing-gums, parce qu'on est bien caché. Attention. Donc, il y a un brossard dans le brossard. D'ailleurs, si vous bouchez au sentier, ben, il y a un dentiste pour réparer dans qui est abîmé. Ce n'est pas manger un chewing-gum. Donc, aujourd'hui, quand tu prends les grands parfumeurs, etc., est-ce qu'eux-mêmes mettent leur parfum sur eux? Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu respires à longueur de journée. Donc moi, une fois que je me suis lavé, j'estime que je ne sens pas, je n'ai pas envie de mettre du parfum sur moi. Ou pas mettre du parfum, c'est-à-dire que tu es pas, tu es, c'est vrai, sérieusement, aucun parfum, non. Aucun, mais... Je mets qu'un excusez-moi, stick, Philippe, vous n'êtes pas senti bon. Mais tu peux venir, je mets qu'un stick sur ma peau, en dessous de mon bras, c'est normal, je t'aime, pas de mes poils du bois, mais de parfum sur ma peau, non. À partir du moment quand, quoi, que tu as une hygiène de vie, que tu te laves correctement, etc., ou pas besoin de foutre tes parfums, parce que là, il y a des gens qui mettent des parfums puis cachés que je ne veux pas baigner. Donc ça crée un drôle de l'odeur, etc. Donc moi, sachant que je me lave correctement et que je n'ai pas de problème de santé, parce qu'il y a des gens aussi qui ont une transpiration forte, ce n'est pas mon cas. Donc je ne mets pas de parfum. Et donc, et si bien tel que j'avais une maladie, une transpiration qui était forte, je vais voir un médecin pour demander, chercher les causes. Donc ce n'est pas en mettant du parfum, moi j'en suis comme un bouchard pour cacher l'odeur. Bouchou, non, il faut arrêter. Ok. Philippe, alors, j'aimerais que nous revenions un peu sur la première partie de l'émission. On a parlé de sujets assez très intéressants. On a reçu pas mal de mails, en plus. Cette émission a beaucoup fonctionné, beaucoup marché. Rapidement, hein, des réponses rapides. L'origine du mot esclave, c'est quoi un esclave? Esclave, comme je t'ai dit, gros, ça vient de slave. Les premiers esclaves étaient blancs. En France, c'était les slaves. Du côté de la Russie, etc. Donc, c'est eux les premiers esclaves. D'ailleurs, que Poutine l'a dit dans une émission, quand il a parlé que les Européens veulent les refaire revivre l'histoire du passé, et ils ne sont pas d'accord avec la guerre qu'il a menée en Ukraine. Donc voilà. Okay. Juste les gens à aller chercher, ils verront ce que je dis. Tu m'as également placé ce mot, John Brown, c'est quoi? Ça a été le plus célèbre des esclaves américains qui a fait beaucoup de choses. Donc, c'est un esclave très, très connu à l'époque de l'esclavage. Et puis on avait également pris ce rendez-vous. Tu as des petites choses sympas à nous présenter dans cette émission, mais avant que nous commencions à présenter nous des trois bagailles, mais quelqu'un mec nous ou expliquez-moi Mota, parce que la première émission ça a marché très fort. Tu nous as donné les expressions d'où viennent-elles. Le tien bois. Alors moi je constate que tu l'écris tien bois. Tu l'écris comment c'est pas qu'un bois? Non, j'ai marqué tien bois parce que machin pour que les gens, tu saches, mais bon, ouais. On dit quimbois. Quimbois. Comment on l'écrit, quimbois? Alors, quimbois. Alors, normalement, c'est une défense du mot tiens-bois. Quimbois. C'est quoi un quimbois? K-E-N. Quimbois. B-W-A. Quimbois. K-E-N-B-W-A. Oui. K-E-N, parce que le N se prononce en E-N, en créole, et le K, voilà, et bois, B-W-A. Quimbois. C'est quoi un quimbois? À l'origine, c'est tiens-bois, ça veut dire. Tiens, bois. Non. Tout simplement. Tiens, bois. Et donc, par déformation, c'était à l'époque les femmes qui empoisonnaient leur mari, qui tuaient leur mari, etc. Les maris méchants, etc. Et après, donc, ils allaient voir un gars des affaires. Quand on a dit qu'ils allaient voir quelqu'un pour voir faire misérité tranquille, etc. Ouais. Et donc, comme c'était la femme qui donnait à boire, à manger à son mari, ils disaient tiens, bois. Et quand ce mari, cette femme avait tué son mari, etc., eh bien, on disait, il fait tiens-bois. Donc, c'est venu, il n'a pas nourri, mais il a tué. Donc, c'est venu par opposition, bien tout simplement, tiens-bois. Donc, c'est un bail pour tuer, pas pour faire du bien, tout simplement. D'accord. Et donc, comment dirais-je,
Le quimbois a une connotation négative. Oui, on le sait, le bien quimbois, sûr, c'est pas une bonne chose, le quimbois. Ah non, c'est pas une bonne chose, puisque c'est vrai que nombreux de nos compatriotes, de nos parents, par le passé, ben, ils sont morts comme ça, parce qu'ils ont été empoisonnés. À l'époque, souvent, les gens avaient coutume, comment ils empoisonnaient les gens, et aucun médecin ne pouvait savoir comment ils sont morts. Eh bien, tu ne pas, tu connais le fruit, ça s'appelle la babadine. La babadine, c'est un fruit qui est comme un gros melon, mais il n'est pas rond, il est assez long. Eh bien, la racine de cet arbre-là, c'est un poison. Les femmes faisaient bouillir cette racine dans de l'eau et faisaient du café ou du thé pour leur compagnon ou mari. Eh bien, ils étaient grand morts. Mais aucun médecin ne pouvait savoir de quoi ils étaient morts. Ils étaient morts naturels. Donc, ils empoisonnaient leur mari avec la racine de ce fruit-là, babadine. Babadine. Babadine, c'est un... C'est quoi ce mot babadine? Babadine, c'est un fruit, un gros fruit qui est comme un gros melon, mais il est long, comme une grosse... c'est un cucurbitacé, quoi, qui est très, 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 très fruité, qui sent très bon, mais la racine, c'est un poison. Alors, on discute concernant les expressions, mesdames et messieurs, aux Antilles. Vous qui nous regardez sur le réseau Télé Antilles et puis également sur KMT Télévision, vous êtes dans le Radio Show, émission également diffusée sur Espace FM 98.8. On nous parlait de Yol, l'embarcation type des Antilles était avant le Gommier, c'est ça? Le Gommier, moi quand alors, je suis... Alors, c'est quoi là, le Gommier, la Yol, c'est quoi? Le Gommier, le Gommier, c'était la Yol que tout le monde avait pour aller à la pêche. Avant que la Yol puisse supplanter le Gommier. Le Gommier, pourquoi? C'était parce qu'à l'époque, on avait le bois Gommier. D'ailleurs, on avait fait Flo Ibissal. Tu as connu ça aux Antilles, tu as dû avoir des jeunes quand ils étaient les vacances ou même pendant la Pâques, Pentecôte, etc. On allait à la mer, on prenait ces flots qu'on appelait, c'était du Gommier, on les mettait à sécher, etc. On taillait l'avant en biseau. On mettait même des fois deux ou trois, on mettait des planches dessus pour pouvoir pêcher avec des bottes de bagarine de l'époque qu'on clouait. Et on mettait nos appâts et on allait à la pêche avec ça. Donc c'était le Gommier. Et puis donc, ça a un peu, été remplacé par la Yol. Mais ce serait bien qu'ils en font toujours des Gommiers, parce que j'ai cru comprendre qu'ils font des courses de Gommiers. Mais c'est vrai que la Yol a surplombé et surpassé le Gommier. Donc c'est un peu dommage, on a pu faire les deux évoluer parallèlement, parce que c'est quand même notre richesse. C'est notre vécu, notre patrimoine. Et Yola, parce que c'est important de nous pas presser, nous n'y encore une à passer ensemble, le radio show. Le mot Yol sort d'où, mon ami Philippe Pilote, regarde les caméras. Alors, le mot Yol, je n'ai pas vraiment d'explication dessus. Mais à l'époque, déjà, c'est une embarcation qui est issue, tu veux, d'une métamorphose canaux africains et canaux antillais. Donc il y avait un certain nombre de bois qui entraient de la composition de cette yole, et notamment le François a été le berceau de cette yole au départ. Après, qui a pris de l'ampleur, parce que les gens faisaient des courses de yole, les pêcheurs, lorsqu'ils rentraient à quai, c'est beaucoup dire, ils rentraient après une journée de pêche ou un soir de pêche, ils faisaient du café tirage, du café pointe. Voilà. Donc, et puis c'est de là qu'après est parti les courses de yole. Je parle de ça dans notre émission parce qu'il y a beaucoup à dire sous la yole, etc. Mmh. Le nombre de bois qui entrent dans la composition de la yole. Ensuite, il y a la forme aussi. Il y en a qui mettaient de la graisse en dessous du canot pour les faire glisser sous l'eau, etc., etc. Donc il y a tellement de choses. On ne pourra pas parler en une seconde de la yole parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses. Est-ce que tu t'attendais, Philippe Pilotin, à ce succès, la yole, juillet-août, c'est waouh. Est-ce que tu as vu la chose venir ou pas? Je pressentais ça déjà parce que de plus en plus, on voyait que les gens avaient une passion pour la yole. Mais avant un tour de la Martinique tel que ça a été fait, ne pensais pas. Parce que je peux te dire que j'ai des bouteilles de rhum, à l'époque des bouteilles de rhum, où ils étaient collés les étiquettes des premiers tours de yole, les années 80. J'ai pratiquement toutes les bouteilles de rhum où il y a les tours de yole de l'époque, etc. Et de plus en plus, j'ai vu ça monter crescendo, etc. Mais mon seul regret aujourd'hui, c'est de voir que ce tour de la Martinique n'est pas vraiment structuré pour qu'on puisse le voir partout dans le monde. Parce que je peux te dire qu'à un moment donné, quand c'était vu aux États-Unis partout, il y avait beaucoup de gens qui le suivaient. Mais malheureusement, ça a changé. Les organisateurs ont peut-être changé de comportement. On ne voit plus le tour des yoles. Heureusement que tu le fais découvrir avec toute l'équipe de Télé Antilles. Mmh. Mais c'est dommage que ce tour-là, que ce n'est pas pris en main par une grande société qui permettrait que le tour des yoles soit vu dans le monde entier. Parce que c'est quelque chose de formidable, quelque part, d'une part déjà. C'est dommage, hein, je trouve ça.
Et notamment, j'étais pas content. Tu penses que c'est trop, malheureusement, ghettoisé, c'est-à-dire ça reste trop entre nous, encore une fois? Voilà. Donc, il manque encore des gens. C'est-à-dire qu'il manque des gens assez puissants pour pouvoir faire sortir l'aïeul de son carcan purement où ils l'ont ancré en Martinique, etc. Donc, attention, c'est-à-dire qu'on a que avoir des publicitaires, pouvoir dans le monde entier, qu'il y ait des gens qui viennent, qui payent, notamment, oui, qui payent, et pouvoir filmer ça, montrer ça, etc. Prendre des gens compétents, pouvoir filmer ça, pas filmer ça n'importe comment, etc. Ce serait magnifique, parce que l'aïeul, pour moi, c'est un label. C'est quelque chose qui est unique dans le monde, quelque part. Et moi, je me rappelle que je m'étais révolté quand on avait fait une année, l'année de l'Outre-mer. Je me suis dit, on fait l'année d'Outre-mer, on fait que le carnaval. Mais pourquoi on ne peut pas montrer l'aïeul en France métropolitaine pour montrer aux gens la lumière de l'Outre-mer? C'est l'occasion, parce qu'il y a tellement de gens de tout horizon qui viennent, pour leur montrer un peu qu'est-ce que l'aïeul martiniquaise. Et puis ça n'a pas été fait. J'ai parlé de ça à quelques personnes qui étaient bien placées. Ils m'ont dit, ouais, mais ça coûte cher, on n'a pas l'argent pour, c'est compliqué, etc. Je dis, oui, mais bon, je vous ai donné l'idée. Voyez maintenant comment vous pouvez faire, dans quelles conditions, voyez que la culture, comment ils pourront vous aider à pallier à ce manquement. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait, je n'ai pas cherché à savoir beaucoup plus. Voilà. D'accord, donc on va penser que... fais attention, tu vas te faire allumer par la Fédération des Tours de Yole, mais ce n'est pas grave, on se dit la vérité. Tout Yole l'a bien belle, mais nous n'avons pas ni assez visibilité à travers le monde. Ça t'est pour passer au Japon, la France, les États-Unis, tout de côté, quoi, en fait. Je peux te dire que le Tour de Yole a une cote populaire dans le monde qu'on ne soupçonne pas. Mais malheureusement, ça manque de visibilité. Parce qu'à un moment donné, quand les gens filmaient ça, ça passait. Je te dis, il y a beaucoup de... En France même des Bretons me disaient, le Tour de Yole, on a vu les images là, c'est magnifique, c'est magnifique. Et je me suis dit, ben, ça va prendre de l'ampleur. Et puis finalement, je vois que... Ouais. C'est toujours même belle, quoi. C'est-à-dire, c'est un amusement martiniquais, point très, quoi. Voilà. Alors qu'on aurait pu amener ça très, très haut. Tu es dur, quand même, Philippe. Non, mais c'est la réalité. À moins qu'ils veulent se complaire comme ça, je sais rien. Mais si on veut déjà, économiquement, d'entrer de l'argent dans le carrousel de la Martinique, je pense que c'est une belle vitrine. Ouais. Une belle vitrine, bien sûr. Trouver des gens qui ont fait des études au niveau commercial, pour leur dire, voilà, comment on pourrait vendre l'aïeul, etc., et pouvoir gagner de l'argent, etc. Tu as bien vu comment on fait la route du Rhum, quand on fait, etc. Donc, exact. Donc, pourquoi pas le faire? Et puis, un jour, pourquoi pas importer l'aïeul sur des cours d'eau français ou autre, pour voir, voilà, tout en mettant un veto pour empêcher que ça nous échappe. Pourquoi pas? Etc. Alors, les moments là, nous n'avons pas Philippe Pilotin, c'est la deuxième émission, la deuxième partie. Moi, on a deux, trois petites questions à poser. Et puis après, nous. Ça serait même bien pour la Coupe du Monde 2024 qu'on puisse sur la scène. C'est clair. Faire venir l'aïeul. C'était nos politiques. La fédération aurait dû dire, mais est-ce que. Imposer, parce que c'est du sport, et puis faire quelques coups de machin pour montrer aux gens comment se manie une aïeul et prouver que c'est un travail qui est athlétique, que c'est pas du richesse bottable. Ce serait bien, pourquoi pas? C'est l'occasion où tout le monde aura les yeux braqués sur ces Jeux de Paris. Pourquoi on ne le fait pas? Ça met en cause un outrage. On a des occasions, des opportunités pour pouvoir montrer nos valeurs, notre force, notre richesse, mais on ne les met pas à profit. Il y a un problème quelque part. Je ne comprends pas. Qu'on m'explique. Mais c'est moi qui suis con, hein. Peut-être. Je sais pas. Philippe, nous allons continuer à progresser, nous allons continuer à avancer dans la réflexion. Les expressions qui nous sont chères et qu'on emploie, le fameux couteau chien. C'est qui ça, un couteau chien, Philippe? Pilotin, en couteau chien. Le couteau chien, je l'ai amené d'ailleurs. Je dois te remettre l'étui. Oui, ouais. Alors, le couteau chien, c'est parce que dessus, il y avait un petit chien. C'est le couteau. Philippe, moi, quand il est parti, t'as la remettre dans les TikTok, parce que t'as la troubelle. Donc, le couteau chien, c'est quoi? Il avait un petit chien. Un petit chien sur le couteau. Alors, je t'explique l'origine. Ah ouais. C'est Atier, Isard Thiers qui a, à l'époque, créé ce couteau. Ouais. Ce couteau, que j'ai visité l'usine, etc. Et ces couteaux avaient été offerts à un Antillais pour son mariage. Mais il faut savoir qu'à l'époque, ces couteaux, les Antillais faisaient ce qu'on appelle la sauce créole, qui à l'origine n'est pas antillaise, n'est pas africaine, c'est une sauce faite par les Blancs, créole, d'accord. Mais à l'époque, les gens, c'était les forgerons qui faisaient ces lames dans le feu, hein, avec du fer, tapis,
puis tenir des lampes pour te couper après, de graffiter des meules. Et donc, lorsqu'on coupait les épices étaient coupées grosso modo, pas fin. Et lorsque cet entier s'est marié, on a fait une sauce au chien, avec ses couteaux. Et donc, les épices étaient beaucoup plus petits, parce que la lame était beaucoup plus fine et très affûtée. Et donc, il y a des épices qui ça ou qui fait sauce ta là. Il dit épices en chien, couteau chien. Et donc, on a appelé ça par opposition sauce au chien, sauce au couteau chien, coupé, les épices coupées au couteau chien, tout simplement. Tu as eu ces infos où, Philippe, je le répète, tu viens pas sur un plateau télé comme ça, tu as mené ton enquête, tu as cherché, tu as trouvé tout cela où, toutes ces infos. Alors, déjà, je suis allé où on fabrique ces couteaux-là à l'époque, et savoir que ces couteaux étaient fabriqués que pour les Antilles. Ah ouais. Aujourd'hui, ils font même des couteaux aztèques dentelés maintenant. Combien de gens le savent? Je ne savent pas ça. D'accord? Ils ont fêté leur centenaire. Donc, je suis allé dans cette usine où on fabrique ce couteau, ce fameux couteau. J'ai obtenu des explications. D'ailleurs, je crois qu'une des journalistes, une journaliste antillaise ou guadeloupéenne, a fait comme moi, est partie aussi voir dans cet endroit. Et le petit-fils ou le petit-fils de qui a repris l'usine en main a donné la même explication que moi. Effectivement, c'est vrai. Parce que donc, on retrouve dans l'histoire ancienne de ce couteau cette expression. Et donc, on voit bien que dans les histoires que j'ai retrouvées, que cette sauce s'appelait une sauce créole. Et donc, à partir du moment qu'on a utilisé le couteau chien pour pouvoir couper les épices, ça a changé de nom, une sauce au chien. C'était coupé avec le couteau chien, qui avait le petit chien dessus. Okay. Et aujourd'hui, on voit bien que cette marque a été déposée. Il y a eu beaucoup de copies. Les Chinois, ils ont copié, tout le monde a copié. Mais aujourd'hui, donc, la marque a déposé plainte. Je ne sais pas s'ils ont eu gain de cause. Et donc, ils ont mis un petit R sur l'emballage, etc. Et on voit déjà la qualité, que la qualité de ce qu'eux, ils font chez eux, à Thiers, et ce qui est fait en Afrique, banabana, on voit que ce n'est pas la même qualité, c'est grosso modo, c'est imité. Voilà, donc c'est pas un vrai couteau. Voilà. Et aujourd'hui, on trouve des couteaux avec le manche rouge, rose, bleu, jaune. Ils l'ont fait pour le centenaire du couteau, il y a à peu près une dizaine d'années, je crois. Ok. Philippe, on a voulu faire cette deuxième partie avec toi parce que tu nous as amené des petites choses sympas. J'aimerais qu'on les découvre comme ça en direct avec toi, le temps de le préparer. Alors on commence par quoi? Mesdames et messieurs, j'aime beaucoup mon ami Philippe parce que je ne l'ai jamais vu. Il vient avec sa voiture toujours à nous amener des choses. Alors on va faire un grand écran sur ça. On va prendre la 4 parce que c'est nous qui gérons tout ça. Voilà. Alors ça c'est quoi ça Philippe? C'est on appelle chez nous la lampe Coleman. Alors gardez caméra parce que toute mon Martinique qui a gardé nos Guadeloupe, Guyane, est-ce que vous autres connaissez le bagaïta là? C'est quoi ça? Philippe Pilotin, que vous voyez, il a tout ça et chaque émission, tu nous présenteras des petites... C'est quoi alors, tu m'as dit, c'est... C'est une lampe Coleman. Pourquoi Coleman? Parce que c'était fait en Allemagne et c'est la marque Coleman. L'industrie Coleman qui a fait ça. Alors, tu avais aussi plusieurs marques. Tu avais Radius, tu avais Cubitus, c'est pas non douette ni pied, hein. C'est Us, bon, voilà. Il faut savoir que ces lampes-là étaient faites pour les Antilles, notamment les pays comme le Mexique, l'Indonésie, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Et donc, avec ces lampes-là, ça permettait aux gens d'avoir la lumière. Il y a même des gens qui partent avec à la pêche sur le bateau. Sérieux? Oui, tu as des gens qui l'utilisent. Encore, tu as encore des gens qui ont gardé ces lampes-là quand il y a des cyclones aux Antilles. Donc, l'avantage qu'il y a, c'est que... j'ai pas amené pas la mèche. Comment ça s'appelle encore le nom m'échappe, ça m'a oublié tout à l'heure. C'est la mèche? Non, c'est pas la mèche. Le manchon. Ouais. Le manchon, c'est comme un peu un tricot des bordures striées. Oui, des, c'est ça. Donc, j'en ai, mais j'ai pas pensé. Pour l'IMEI. Voilà. Et donc, on pompait ça. Donc, celle-là, cette lampe-là, elle a déjà plus de 50 ans. Wow. Maintenant, on les refait, mais ça n'a rien à voir. Ce qu'ils refont, c'est les Chinois qui les refont. On voit bien le nom dessus, Gradius. Dessus, la marque de la machine est marquée marque déposée, NF. Tu vois, à l'époque déjà. Alors, Bagaïta, en l'eau, maman, il était qu'à servir ça pour clairer caillou, éclairer la pêche. Et ça t'a qu'à clairer bien, ça? Ah oui, ça, c'est une lumière blanche. Et donc, il y a pas nié des fois en fait avec caille là, consistait en poule. Et puis, donc, il fallait mettre dedans du pétrole. Là, on pompait. Là, il y avait une soupape de sécurité. Là, c'est pas de sécurité. Ouais, ouais. Là, on ouvrait là pour que le pétrole, ça, on pompe d'abord, on pompe. Une fois, c'est monté sous pression. Donc, on fait ça. Donc, le pétrole monte ici et on avait une petite
Et combien de temps ça t'est caché? Une heure, deux heures, trois heures? Ça peut être des fois 3-4 heures, parce que des fois, où t'es payé, où t'es payé, où t'es payé là-dedans. Ah, tu m'as dit, tiens, on m'a fait ça, il y a deux, mais pour que tu te vois. Il y a des gens qui l'utilisent aux Antilles. Et il faut savoir aussi que le premier service, c'est que l'autre est petit, ou t'es tellement ciré. Donc, l'autre est limé, l'autre est brûlé volontairement, ou t'es éteint. Parce que le manchon, c'est croisé. Waouh! Donc, à l'époque, un manchon, t'es pas tout. Et ça coûtait combien, ça? À l'époque, ça coûtait 350 francs. C'est dans l'argent. C'est dans l'argent, donc. Voilà, donc celui-là est très vieux parce qu'on voit que la tête rouge, c'est, on voit bien que c'est de comment dirais-je, c'est de pas du cuivre, de un peu c'est moitié éteint, moitié fer, etc. Donc on voit, maintenant les faits, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, on voit déjà un peu la matière déjà. Ça n'a rien à voir. Là, j'ai pas nettoyé parce que j'ai laissé volontairement dans son jus. Parce que, pardon. Un collectionneur ne nettoie jamais ses appareils. On peut voir Il faut le laisser dans son jus. Si moi nettoyé, ça n'a pas ni charme. Si moi fait briller, ça n'a pas ni charme. Il faut le laisser dans son jus. Donc, tel qu'il a servi. Voilà, il y a ça déjà. Alors, tu n'es pas venu. Je voudrais également que tu nous, comment dirais-je, que tu nous présentes la deuxième. Alors, soupe mettez à théâtre, premier bail là. Parce qu'il y a. Voilà. Qui a bouché, vu moins, puisque moi-même, nous avons fait la régie en même temps, mesdames et messieurs. Alors, deuxième bail, c'est qui ça? Alors, ça, on l'a. Moi, j'ai connu ça chez ma grand-mère, ça. Oui. Alors, ça, c'est un réchaud à pétrole. C'est pas une lampe, c'est un réchaud. Pourquoi chauffer, bagaille et puis ça? C'est un réchaud. Tu cuis et tu réchauffes. Un réchaud. Ça n'a rien à voir avec la lampe Coleman, qui est une lampe à pression, etc. Ça, c'est un réchaud à pétrole. L'autre, c'était une lampe à pétrole, la lampe Coleman. Ça, c'est un réchaud. Parce qu'on cuit. Là, on ne peut pas cuire. La lampe Coleman, tu ne peux pas cuire d'aliments. Là, tu peux cuire des aliments. C'est pareil, le même procédé. C'est sympa, ça. Donc, tu pompes ici, là, tu pompes. Là, c'est pour pouvoir, quand tu veux éteindre ta lampe, tu fais ça. Donc, la pression part, ça s'éteint ici. Ensuite, là, c'est fait pour remplir, etc. Et tu as même la notice que j'ai gardée à l'époque. Et ça, nous, dans les années, alors, celui-là date des années 60, celui-là, 60. Les années 60, ouais. Wow. C'était à ma grand-mère, les années 60, et elle n'utilisait plus, donc elle avait plusieurs, parce qu'ils avaient plusieurs lampes. Ils avaient plusieurs, pour un pour la haricot rouge, un pour le poulet, un pour les légumes. Ça va, vous tenez différents, même pour tuer le poids rouge, là, tu avais des gens qui étaient plus aisés, ils voulaient que tout mangeait à tuer par en même temps, parce qu'elle soutenait cette lampe. Rouge, la crève, joue quand elle était l'air. Ok. Donc, ils avaient plusieurs lampes. Dans une petite pièce. Et il faut savoir aussi que ces lampes-là ont causé la mort de beaucoup de gens aussi. Et ah bon, quand elles brûlaient. Parce qu'à l'époque, il faut qu'on remette. Les gens avaient des maisons en terre. Par terre, c'était, ils mettaient du lino, mais c'était de la terre qui était par terre. Et conclusion, ce qui se passait, c'est que les gens mettaient des feuilles de journaux ou de ciment pour voir calfeutrer, boucher les trucs. Et des fois, lampe-là, en chaque passé, ou bien en rate passé, ils foutaient la lampe-là à terre. Il y a pétrole qui coule à terre, ou la maman qui a lavé le linge, mais qui a osé, qui a ripassé. L'arrivée, ah, tu fais bien gars là. Trop tard, en rate qui passe, ou bien chat qui foutait, il s'est volé manger dans le canari là. Ça s'est renversé, ben ça fout le feu. Bon mouvement de ça, quoi. Ah oui, des gens sont morts comme ça aussi. Ah okay. Oui, oui. Vous tenez en l'autre bail. Moi, j'aime bien, c'est la caserne d'Ali Baba chez notre ami Philippe Pilotin. Alors, Philippe, tu nous présentes quoi là aujourd'hui? Alors là, je te présente le fameux réveil jazz. Hein. Donc, c'était qui était chez les parents, c'était du Formica. Le Formica, c'était tout qui était à la mode, avec ta bonne Formica, dans les bars, tout ça, avec Formica. C'était à pile, donc tu vois, il prenait une pile qui existe toujours encore derrière. On l'a couché sur le pantalon. Ça n'existe plus, ce réveil? Non, c'est fini, ça. Pourquoi? C'est venu en croix, c'est plus des réveils comme ça. Il a combien d'années, ce réveil? Alors, ça, c'est des années 70, ça. 70. Ça, c'est un jazz, c'est une grande marque française. Hein. Jazz. Waouh. Voilà. Donc, et ça coûtait combien, ça? Alors, à l'époque, il faut tenir l'argent pour t'acheter ça. Si vous ne pouvez pas fonctionner. Ah bon, ça décabalait. C'était les enfants qui étaient dans le travail, qui ont dit mon cadeau pour la fête des mères ou bien pour Noël. Ouais. Un petit réveil. Parce que ça, on dirait, mais finalement, ça s'appelle pendule. C'est une pendule murale. Donc, on dit réveil, mais c'est une pendule murale parce que ça se suspend. Pendule murale. Tu es venu également avec un électrophone que tu voulais nous. Si tu peux mettre des autres trucs à terre, oui, on va profiter alors, parce que là, on a pas beaucoup pas de place. Voilà. Alors c'est quoi? C'est un magnéto? C'est quoi? Non, c'est un magnéto. Ouais. Alors c'est quoi? C'est un disque. Alors, pour les gens qui ne le savent pas. Ouais, là, ça. Voilà, là, nous croyons bien. Voilà le premier. Le radio show, mesdames et messieurs. On apprend des choses dans l'émission. Vas-y. Voilà le premier disque. Je dis bien le premier disque enregistré de l'histoire de la musique antillaise. Non. Il n'y a aucun disque qui est enregistré avant ça, sorti en disque ou en vinyle. Alors, ça, c'est 78 tours. C'était fait en shellac. Ça se casse très, très vite. À l'époque, les pochettes, c'était des pochettes craft.
Donc c'est sorti chez Odéon. C'était enregistré le 16 octobre 1929, ce disque-là, chez Odéon. À l'époque, par Stelio, qui était un clarinettiste, qui était des Antilles, de la Martinique. Hein. Donc, son vrai nom, c'était Alexandre Fouquieux, qui était des Anses d'Arlée. Hein. Voilà, voilà. Et donc, il a enregistré deux chansons. Des chansons, c'est une Begin et une Majuka. En sens unique, pourquoi en sens unique? En 1920, le maire de Fort-de-France, Victor Sévère, lorsque les premières voitures ont commencé à débarquer dans Fort-de-France, les gens à l'époque ne connaissaient pas les voitures, ils montaient comme machin à rire à pied. Et donc quand les gens riches ont commencé à amener les premières voitures en Martinique, ça a créé des accidents. Et le maire a décidé qu'à partir de maintenant, il va créer des sens uniques dans la ville. Et la limitation sera limitée à 20 km/h. Et c'est comme ça qu'il faut ça, comme je dis tout le temps. C'est comme ça que se passait avant l'histoire des Antilles. Les musiciens, chanteurs mettaient en musique l'histoire du pays. Donc si tu reprends tous ces vieux enregistrements de l'époque, tu verras, ça raconte toujours une histoire. C'est pas chérie, doudou, je t'aime. Il faut raconter une histoire. Et donc, dans cet enregistrement, eh bien, Stelio a décidé de mettre en musique et en parole un sens unique. C'est-à-dire comme ça que le maire avait décidé de mettre le sens unique dans la ville et 20 km/h. Tout simplement. Et la deuxième chanson, c'est Aïgale Chabina. Pourquoi? C'est parce que c'est une fille qui était Chabine, qui était capable de marcher en mode prétend, c'est Kakari. Kakari, c'est comme quelqu'un qui a fait jazz, il brûlait. Mmh. Et donc, il a écrit une chanson Aïgale Chabina. Et donc, voilà ces deux chansons-là. Alors, c'est les deux premiers, les deux chansons-là. Avant ça, il n'y a pas eu d'enregistrement de fait de la musique antillaise. C'est le premier enregistrement de la musique antillaise. Et tu peux aller vérifier, tu peux aller chercher. Qui veut aller chercher, il veut que je ne rentre pas de connerie. C'était fait chez Odéon le 16 octobre 1929. Il y avait Léardé, il y avait donc Stelio, il y avait, comment ça s'appelle encore, le tromboniste, j'ai oublié son nom, là, ça m'échappe. Donc voilà, ils ont fait ça. Et comment tu as fait pour avoir ce disque? C'est extraordinaire quand même ça, Philippe. C'est parce qu'à l'époque avec mon frère Yves, donc, on allait fouiner beaucoup, on allait chercher dans les catalogues des différents producteurs, Odéon, Philips, Lagrifoul, Pacifique, comment ça s'appelle encore, qu'est-ce que j'ai pas dit, il y a tellement de à l'époque de catalogues. Et donc, on s'est renseigné pour savoir, etc. Et c'est là qu'on a découvert que voilà le premier enregistrement de la musique. Parce qu'à l'époque, j'ai même une coupure de journaux où il parle le premier enregistrement de l'histoire de la musique antillaise fait par Odéon. Donc, qui est dans un magazine que je n'ai pas amené. J'ai la coupure du journal de l'époque qui parlait de ça pour la première fois. Parce que les gens, à l'époque, aux Antilles, on écoutait de la musique, mais on n'enregistrait pas. Les seuls qui enregistraient, c'était les Américains qui venaient en touriste en Martinique. Ils enregistraient la musique antillaise quand les groupes folkloriques dansaient, le Louvre la ville dansait. Mais il n'y avait personne qui avait décidé de mettre ça en musique. Donc c'est triste quand même. Donc on a perdu beaucoup, un pan énorme de la musique antillaise qu'on n'a pas. C'est triste parce qu'à l'époque, on n'en risquait pas. Les gens jouaient la musique pour s'amuser. Et on peut toujours l'écouter, mais c'est juste ça. Ah non, on peut l'écouter toujours. C'est vrai. Parce que j'ai l'appareil, j'ai les appareils pour ça. Et bon, c'est vieux ce truc quand même. Il y a plus de 80 ans déjà. 1929. Okay. Et Stelio est mort en 31. Il est mort deux ans après sur scène. Il a fait une AVC. Et il est mort sur scène. Ouais, il a fait une AVC et c'est sur scène et c'est à l'issue de cet AVC qu'il est mort. Ok. Le temps que tu enjoues ça, donc pas de problème. Donc les mamans, elle n'a pas oublié. Nous sommes ici, Philippe Pilotin. Une fois tous les deux mois ou une fois par mois, il viendra sur le plateau dans cette émission, le radio show, nous remémorer tous ces bons vieux souvenirs. On a cette expression, je voudrais aussi qu'on revienne dessus. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Sebi. Le Sebi, c'est quoi, Philippe? Sebi, c'est le craps. Si tu cherches le mot craps, tu verras, c'est le jeu, c'est un jeu anglais. Craps, qui veut dire, c'est un jeu de dés où il y a 21, 7, etc. etc. Donc, les esclaves à l'époque, ils aimaient copier ce que faisait le maître. Donc, ils s'amusaient à jouer à ce jeu. Ils copiaient ce que faisait le maître. Et donc, le maître à l'époque avait peur que les noirs se réunissent ensemble, de peur qu'ils montent des complots pour les exécuter, pour les tuer. Et donc, conclusion, ce qui s'est passé, c'est que un jour, les maîtres, ils arrivent de dîner. Et ils voient tous ces noirs-là attroupés, ils arrivent discrètement et ils les voient. Et donc, les noirs, ils ont vu arriver le maître, ils avaient allumé leur bambou avec des tubes de coco là-dedans pour pouvoir faire un flambeau pour s'éclairer. Et donc, le maître est approché discrètement et a dit: « Ah,
cette bille. C'est comme quand ils sont ensemble. Il n'y a pas de crainte à avoir. Ah bon? Ils ont cru que le maître avait dit qu'il jouait au Sebi et qu'en plus que le flambeau s'appelait Sebi. Donc on appelle en Guadeloupe Chaltouné et en Martinique on dit Sebi. Alors que c'est sept billes, c'est être ensemble. Sept billes, être ensemble. Alors on sort de période Pascal et de Pentecôte, le fameux Kalalou. C'est quoi le Kalalou? Alors le Kalalou, c'est-à-dire comme quand c'est une déformation, ça cale un loup. Tu as dit quoi, vas-y, ça c'est... Ça calait un loup, c'est-à-dire que les gens... On va caler un loup. Oui, parce qu'à l'époque, c'est un peu comme un bébélé, c'est comme un pâté en pot. Mais c'est-à-dire que les gens prenaient tout ce qui restait comme reste de repas. Il faut se replonger dans le contexte de l'époque où les gens étaient pauvres, donc ils ne jetaient rien. Donc les gens, ils étaient donné une deuxième vie aux objets, aux vêtements, à la bouffe. Donc, eh bien, pour que la bouffe ait plus goût, il faut quand même mettre toute sa carité dedans. Si il était cuit pour la veille, il faut quand même mettre dedans. Mais après, les gens, ils ont structuré cette soupe-là, ils l'ont structurée. Mais à l'époque, aux tout premières heures de cette soupe-là, il n'y avait pas de recette type. Les gens mettaient tout ce qu'ils voulaient là-dedans. Et donc, ça a calé un loup. Parce qu'un loup, c'est un bête qui faim. Donc, pour la loi, vous pouvez manger et puis manger. Donc, on te dit comme ça va caler même un loup. Donc, si vous mangez, il est calé où? Tout simplement. D'accord. Alors, question également. Animateur que je suis, j'ai été étonné quand tu as préparé cette question pour nous. La Guadeloupéenne, oui, ça a été repris par de nombreux groupes. La Voix, Tania Saint-Val, on s'en souvient. D'où vient le titre? Et sinon, qui est l'auteur du titre, la Guadeloupéenne, mon ami Philippe Pilote? C'est vrai que j'entends tellement de fois des gens qui disent, je vais emmener le disque pour le montrer, là, ça sonne du tout. Hein. Donc, des gens qui disent que ça a été écrit par Aliva, etc. Non. Alors, Aliva l'a rendu un peu célèbre parce qu'il a repris la chanson à l'époque avec sa femme qui était corse. D'ailleurs, on va les voir, c'est Martina et Alberto. Et donc, cette chanson est écrite par Beauregard, c'est un Guadeloupéen, Abel Beauregard, qui écrit cette chanson. Et donc c'est Aliva, lorsqu'il a repris cette chanson sur un 33 tours avec pas mal de musique antillaise, où il y a d'ailleurs, comment ça s'appelle, Jenny Alpha qui chantait d'autres titres, il y a eu, comment ça s'appelle encore, Mundo Rivel, il y a Sam Castandé, Alfonso, il y était toute une vague de gens qui ont fait, il y avait Gilles Salah, ils ont fait une compilation avec de plusieurs chansons, etc. Et donc cette chanson-là a été découverte à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'au moins c'est sorti en son dit tout, il y a très peu de gens qui pouvaient écouter cette chanson-là. Et donc c'est quand c'est sorti en vinyle que ça a eu un succès et que les gens l'ont adopté. Mais comme c'est Aliva qui l'a fait connaître, mais n'est pas l'auteur, les gens lui ont attribué tout bonnement que c'est Aliva. Mais c'est totalement faux. C'est une chanson écrite par Abel Bourga qui est un Guadeloupéen, tout simplement. Ah ouais? Voilà, tout simplement. D'accord, la Guadeloupéenne. On continue, on va quasiment terminer aussi l'émission. J'ai trouvé ça rigolo quand j'ai vu ce mot. Le pot de chambre, bâtier, vase, caca. Alors, c'est des gros souvenirs, ça. Oui, moi, je n'ai pas ramené aujourd'hui l'amener parce que, bon, c'est vrai, le bâtier, vase, caca, machette. D'ailleurs, Gérard Lavigny, qui est l'auteur de cette chanson avec David Martial. Adrien, pot de chambre, tombé, baissé, bas. Bien. Adrien, pot de chambre, tombé, etc. Enfin, bref. Et puis, il y a aussi. Il y a Copé qui a écrit une chanson là-dessus aussi. Bon. Il faut savoir, comme je dis aux gens aux Antilles, c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas, jusque des années 70, les gens n'avaient pas de latrine, n'avaient pas de toilette, de WC, comme on connaît aujourd'hui. Ah, tu as dit quoi, pardon, parce que je... Jusque des années 74, 75 même, 76, toute la Martinique n'était pas équipée de WC. De sanitaire. Oui, donc les gens... Pas ni cabinet. Non, les gens avaient un cabinet, mais c'était des vases, les bâtiers, pots de chambre, tout ce que tu veux. C'est dessus que les gens faisaient le besoin. Donc, à tout de rôle. Et puis, on le couvrait. Oh là là. Je peux dire comme quand ça sentait. J'ai utilisé ça. Tu as étudié ça ou tu as connu ça? Je les ai utilisés, puisque c'était comme ça à l'époque. Hein. Ah bon? J'utilisais ça, moi. Caillou, tu as connu le. Tu es de quelle année, mon ami Philippe Pilotin? J'ai plus de 60 ans, réfléchis. Ah ouais. Et donc, on avait le bleu pour les hommes et le blanc fleuri pour les femmes. Et il y avait une pièce. Est-ce qu'il y avait une pièce pour cela dédiée à cela ou pas les toilettes? Oui, il y avait une petite pièce. Il partait grand, hein, au contraire là. Et puis on y papier à l'époque c'est papier journal. Non. Papier Simon Rocher. Au dégât, je suis fait sous et puis papier journal, mais papier à pas tendre, papier à pas. Mais il faut se plonger dans le contexte. À l'époque, c'était pour toi bien parce que vous portez votre papier moelleux, papier melon. Non. Donc, voilà, tu étais content, papier journal. T'es content, voilà. Et puis des fois aussi, ou quand elle avait fait sous, pour pâter une papier, ou quand elle avait fait sous. Voilà. C'était. Wow. Faut se projeter. Bon, aujourd'hui, c'est. Quoi qu'aujourd'hui, maintenant, on veut faire disparaître le papier, faire comme en Inde, parce qu'en Inde, il ne suffit pas les fesses en Inde.
dans les pays musulmans non plus, ils se lavent. Donc on veut revenir à ça pour qu'il n'y ait plus de papier dans les toilettes, etc. Puisque maintenant, quand tu vois les nouveaux WC qu'ils font maintenant, tu as une douchette qui lave automatiquement. Ouais. Alors, à ton époque, et tu as connu ça, et tout le monde a connu, certains d'entre vous, peut-être vous avez connu ça aussi, il y avait donc le bâtier, le bâtier caca. Mmh, oui. Donc il y a tu ou quoi aller en côté, ou quoi caca, qu'on fait des affaires, et puis après ça, qu'on fait, et puis ben là, en fait. Alors, il faut savoir que chaque jour, tu avais un des enfants qui était chargé de vider. Alors, donc... Il y avait un roulement. Un roulement. Donc, quand j'ai décidé ça à côté 5 et 6 ans, quand j'ai décidé ça à la mer. Non. Oui. Pour ceux qui avaient de la mer. Bon, une autre qui a fait ça dans la rivière. Mais des fois, des parents qui n'avaient ni rivière ni machin, ils ont fait un gros trou. Ils ont évité dedans. Ils ont mis fumier cheval. Ils ont mis zeb, manger machin, cheval là-dedans. Ils ont mis la chaux là-dedans pour ne pas sentir caca, etc. C'était le jour même ou vous attendiez 2-3 jours avant? Ah non, c'était tous les jours qu'on a vidé caca, tous les jours, parce que sinon, si vous avez la caca fermentée là, c'est qu'à couper non, hein. Déjà, les athées où tu es monté aux toilettes là, ils ont été en diarrhée, en guiguit là. L'autre a vidé ça, l'autre a été remonté, l'autre a l'impression qu'il y a eu ton sous caca en l'air. Et puis, comme je dis aux gens aussi, bon, ça va plaire aux gens, mais c'est une réalité. Je me rappelle que j'allais me prendre des bains de mer à l'époque. Comme si mon intégral foutait ce vase caca en la mer. Et souvent, c'est côté mon cabin. Oh là il y aurait ça le soir très tard. Mais des fois, bah, la a parti au loin, mais le matin, la mer a viré. Carrivé. Alors, pendant qu'on a baigné, on voit des petits poissons. Bah, oh là là. Des petits poissons qui caca. Ou bien des fois, on passe ou quand nager, et puis on va avec une colonne à la peau. L'on fait ça comme ça, caca. Oh là la là. Non, mais c'est dur que j'ai connu, j'ai vécu. Il y a plein de gens comme moi qui ne peuvent pas dire le contraire. Et je dis souvent que les gens ne savent pas ça, mais. C'était la pitance pour les poissons quand même, pour les petits poissons. Parce que depuis qu'il y a plus ça, la mer venait vite, pas ni poisson, on l'a mis encore. Mais à l'époque, comme les gens étaient souvent des vases caca, tout le long de la mer, les toiles, les montagnes, foutaient des vases caca en la mer. C'est en réalité. Tu as connu aussi l'arrivée des toilettes, Philippe Pilotin. Oui, ouais. J'ai connu l'arrivée des toilettes. Mon père, il s'est promis aux toilettes en 72. Ah, 72. Et il faisait partie des premiers à avoir des toilettes. Parce qu'à l'époque, les gens avaient encore des toilettes, avaient encore des baquets, vases caca, pas de chambre. Mon père fut l'un des premiers à avoir télévision et au courant de chez lui. Les 70. Mon père était flic. Je m'appelle, mon père avait une télévision noir et blanc. On voyait les Aïdouk, les envahisseurs, tout ça, David Vincent. Et bien, on avait une cour. Les gens venaient du quartier, ils venaient tous s'asseoir. Le dimanche pour les westerns, s'asseoir, voir la télévision. Et entre-temps, on a créé, les Styriens sont venus vendre un écran qui faisait de la couleur. Donc, on mettait sous la télévision. Oui, j'ai connu ça. Donc, ça a grossi Mouna. Et donc, les gens venaient regarder la télévision en couleur, etc. Donc, j'ai connu ça. À l'époque, parce que c'est vrai que quand tu étais fils de maire, fils de policier, fils de maître d'école, c'était des gens qui pouvaient, qui n'étaient pas riches, mais qui pouvaient s'offrir, tu vois, quand même, certaines choses comme ça, tu vois. Donc, on est dans quelle commune ? J'étais au Pochon à l'époque. Et donc, j'ai connu les frigidaires. Mon père, pareil, était le premier d'avoir les réfrigérateurs. Alors, on dit, pour ne pas t'offenser, mais on ne dit pas frigidaire, on dit réfrigérateur. Oui, ouais. Non, mais quand je dis frigidaire, c'est la marque. Ok. Mon père avait un frigidaire parce qu'il avait des Zanussi. Donc, je dis, mon père avait un frigidaire, c'est pas un réfrigérateur. Il avait un réfrigérateur de la marque Frigidaire. Alors, justement, est-ce qu'on peut expliquer, bah, les téléspectateurs, c'est quoi? Parce que nous, toujours, on a dit, ouais, allez, prendre un globe là, dans Frigidaire. Il n'y a pas qu'à dire Frigidaire. Frigidaire, c'est une marque. Alors, justement, vas-y, c'est simplement ça. C'est parce que le réfrigérateur, c'est l'appareil qui refroidit les boissons. OK. Tout simplement. Mais c'était la marque Frigidaire qui l'a commercialisé. Tout simplement. Donc, les gens. Comme pour faire plus court, on n'a pas ça, mais je dis, ouais, machin. Frigidaire. Donc, ils ont associé le mot frigidaire avec réfrigérateur. Donc, les gens disent, ah, mais t'as pensé à mon frigidaire là. Mets ça en frigidaire là. Non, c'est pas. C'est, parce qu'après, tu as eu des Zanussi, tu as eu des Philips, tu as eu d'autres marques. Hein. Donc, c'est resté tout dans la tête des gens, c'est frigidaire. Mais c'est totalement faux. Waouh. Wow. Est-ce que, avec tout le respect qu'on te doit, Philippe Pilotin, cette époque te manque-t-elle ou tu te dis qu'il faut vivre avec son époque, tout ça bien loin? Maintenant, on va constater. Moi, je constate une chose. Hein. Notre jeunesse a beaucoup de chance, nous y compris, mais jeunesse, nous, encore plus chanceux. Macabre, exemple tout bête. Hein. Dernièrement, je t'avouerai, je parle un peu de ma vie privée. Mon montée à bord l'auto Tifi Mouin, elle ne fonctionne qu'avec Waze. C'est-à-dire l'application, elle fait entrer l'adresse et boum, elle suit. L'enfant ne regarde même pas ça qui est à droite, ça qui est à gauche pour ne pas retenir. Et elle oublie. Ça veut dire que les enfants, alors, tu te rends compte, ce fameux... enfin bref, tout est devenu facile en fait. C'est vrai qu'ils sont robotisés eux-mêmes. Ouais. Tu leur coupes ça, ils sont perdus. Exact. Et c'est pourquoi que nous, notre génération à nous, on a fait beaucoup de choses et on ne se rend pas compte de la richesse qu'on avait. Ouais. Et malheureusement, les jeunes aujourd'hui ne réfléchissent pas.
Le monde dit deux fois quatre cadeaux. Ah, je ne sais pas, je n'ai pas de ma calculatrice. Oh. Mais ils vont côté, ils prient. Le monde dit, bon, tu as 10 euros là. Tu vas acheter ça, ça, ça. Est-ce que tu vois cet argent? Attends, je vais attendre quand je vais arriver à la caisse. Ouais, mm. Sinon, je vais faire m'enlever ça s'il y a trop. Tu vois? Et c'est triste. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas évoluer avec son temps. Mais il ne faut pas non plus tout robotiser, tout électroniser. Il faut garder une part de mainmise sur certaines choses. Tu vois ce que je te dis, Jean-François? C'est important. Parce que Mikoa, on est là, par exemple. C'est bien, Mikoa exister. Mais aussi, ou pas, savent qui j'ai qu'à fonctionner. Et puis, après, il y a un petit tchak. Parce que toi, tu peux mettre quelqu'un pour réparer, que tu dis, bon, je vais réparer ça parce que mon bousin est tout de suite là. Parce que toi, tu as cette technique, tu as cette facilité parce qu'on t'a appris à Tu as connu l'arrivée des téléphones, Philippe Pilote, hein? Tout à fait. C'est quelque chose, hein, ça aussi. Hein? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, eh bien, je te dis comme quoi que. Des fois, dans Paris, je vois des gens sur le passage piéton, le feu vert, le feu rouge, je ne connais pas assez, traversé. On n'aura pas les bâmes, on n'aurait pas à répondre, vous. Moi, dans le métro, par exemple, je vois même dans le RR, souvent le matin, j'entends, je vois des gens qui sont le casse sur les oreilles. Je me demande comment ils font pour entendre la musique, parce que même ils mettent un casque que toi, tu n'entends pas, mais tu entends la musique aussi fort que comme si tu n'avais pas de casque à la tête. Je me demande, est-ce que c'est des oreilles qu'ils ont, ou des trous qu'ils ont à la place, parce que pour mettre une musique aussi fort que ça, et que moi, à côté, ou bien même des fois à 20 mètres, donc attendre vous, c'est qu'on ne peut pas attendre encore, on vient sous, il y a un problème. Et en plus, souvent, il y a des problèmes sous la ligne. Quand ils annoncent dans les haut-parleurs, voilà que le train terminus Gare du Nord, ou bien pas ça, ouais, ou Châtelet, ou Saint-Michel. Ils n'entendent pas. Une des mounies, on a dit, mais. Regardez, on va passer à la radio, on va dire, mais il y a pas répondu aux autres machines, regardez. Ça prouve bien que. Et Internet, pour toi, nous a fait du bien ou malheureusement desservi, mon ami Philippe Pilotin? Non, dans toute part d'évolution, il y a du bon et du mauvais. C'est à nous de savoir comment l'utiliser à bon escient. Souvent, je dis des gens qui me disent comme ça que oui, m'en parle ni Facebook, m'en parle ni TikTok, m'en parle ni machin parce que. Ou savent, il y a qu'à pister où. M'a dit, mais attends, moi j'ai Facebook, j'ai tous ces vous pouvez retrouver notre ami Philippe Pilotin, c'est ça sur Facebook, hein, oui. Philippe Pilotin, ouais. C'est pas pour autant que je dévoile ma vie privée, que je vais mettre des photos de moi dans ma salle de bain, etc. Non. Si à un moment tu t'es fixé des règles, disant que voilà, c'est un réseau pour pouvoir communiquer avec des gens, leur faire découvrir des choses que je fais, etc. Oui, il n'y a aucun problème, ta vie privée ne sera pas mise à mal. Mais souvent, tu as des gens qui sont en maladie. Je dis, il est malade, il a envoyé des photos, il a la piscine et la plage, il a nagé. Après, il dit, ouais, ça, Facebook, ouais, fais-moi. Parce que tu fais des choses qu'il ne faut pas faire. Pourquoi vous avez montré que la piscine, vous avez imaginé, etc. Non, il faut arrêter, quoi. Moi, j'utilise mon Facebook tout pour donner aux gens des informations. Je ne me dévoile pas. C'est tous les repas, c'est toi qui les fais. C'est moi qui les fais. Wow. Je le fais volontairement, c'est pour me donner aux gens des idées. C'est pas. Je crois que je fais ça pour frimer, non. T'as beaucoup de gens, quand je ne mets pas mes repas, ils ne sont pas contents. Ils me disent oui, parce que ça te donne des idées, on le reproduit deux jours ou trois jours après, ça me fait rappeler des machines. Un gars il m'a dit waouh, vous mettez d'ob, vous longtemps pas, t'es en train de parler d'être d'optimal, ou pas moi l'idée, un gars il fait d'ob, c'est un gars loupé, un gars il fait d'ob poisson. Tu vois Donc ça donne une idée, donc je suis content. Donc ça remet au goût des jours certaines choses qu'on faisait chez nous et que ça t'a disparaître. C'est important. En tous les cas, si vous voulez contacter mon ami Philippe Pilotin, vous pouvez aller sur le réseau Facebook. Vous le retrouvez. Avant qu'on nous boucle l'émission, je l'ai lu également, ça m'a fait sourire. Le punch, c'est quoi, Philippe Pilotin? Alors, le punch, c'est pas antillais. Oh, Philippe, tu vas te faire allumer. On va, c'est notre dernière question avant de terminer l'émission. Le punch, c'est pas antillais. Le punch n'est pas antillais. Philippe, je t'en prie. Sérieux? Le punch n'est pas antillais. Ah bon, le punch, ben dis donc, ça vient d'un. Moi, les Heidi Blanc, le type punch, c'est pas pour c'est nous. Punch, ouais. C'est même pas punch, c'est punch. Ça veut dire c'est alcool aux cinq fruits. Ah ouais? Ce sont les Indiens qui ont importé ça aux Antilles. Le punch. C'est comme le mot tafia, ratafia. Ça dit comme, je t'expliquais, les Anglais. Ils étaient des grands buveurs de pinard, comme tous les Européens, la plupart. Maintenant, ils ont distillé la bière parce qu'ils ont copié un peu ce que faisaient les Africains, etc. Enfin bref, mais à l'origine, c'était le vin qu'ils picolaient. On ne te le dit pas. Et il faut savoir que les marins anglais, lorsqu'ils voyageaient pour aller à droite à gauche, ils avaient toujours dans leur fût du vin. Mais c'est bien, à l'aller, on dit de quoi picoler pour pouvoir tenir longue distance, parce que c'était dur les voyages, la mer était démontée, des mauvais. Mais pour le retour, Kokabwe, Panyaé. Donc quand ils arrivaient en Inde, à chaque coin de rue, les gens faisaient de la distillée du rhum, de l'alcool. Dans tous les coins de rue en Inde, c'était comme ça. Et donc, si tu veux, lorsque les Anglais venaient, ils prenaient l'odeur de l'alcool. Et demandaient au gars, c'est quoi ça? Alors le gars leur disait de goûter. Le gars leur disait,
Tafia. Et l'anglais répondait Ratafia. Tout simplement. Et donc, le mot Ratafia aussi, par opposition aussi à son vrai sens, est devenu aussi, c'est que j'espère qu'on va conclure le marché. Et donc, ces Anglais-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils remplissaient leur tonneau au préalable qui transportait le vin pour l'aller. Ils remplissaient de cet alcool-là. Et en arrivant dans leur pays, on demandait, mais c'est quoi ça? Les gens découvraient. Ils essayaient Tafia Ratafia. Et cet alcool a été vendu avec des étiquettes de Tafia Ratafia, tout simplement. C'est comme ça que le mot Ratafia Tafia est né. Donc le mot punch, c'est alcool aux cinq fruits. Punch, c'est pas entier. D'ailleurs, le punch qu'on arrête pas. On l'a adopté. C'est comme le Colombo. Le Colombo n'est pas entier. Si, parce qu'on l'a adopté. Mais c'est les Indiens qui ont mené ça. C'est qu'on l'a pris, on a fait de cette chose-là un aliment principal de notre tradition, de notre culture. Mais à l'origine, ça ne vient pas des Antillais. Tu vois ce que je dis? C'est comme si moi, aux Antilles, je sais pas moi, j'arrive comme, un peu comme j'ai vu certaines personnes qui prennent des trucs qu'ils ont vus en Afrique ou ailleurs, qui les mènent aux Antilles. Et tout le monde copie. Après, on dit, ouais, aux Antilles, on fait comme ça. Comme le couï. Le couï n'est pas Antillais. Le couï n'est pas entier. Le couï, c'est un instrument, un truc qui servait aux Indiens. Après, on l'a adapté à nos besoins. Et donc, c'est entré dans notre culture. Mais à l'origine, aujourd'hui, on peut dire que c'est à nous. Mais l'origine ne vient pas de chez nous. On a copié ce que faisaient les autres. Et on l'a adopté. C'est tout. Voilà. Le couï, il y a dans toutes sources. Pour te assaisonner les poissons, pour te couper le doigt dans le canot, pour te prendre douche, pour te laver. Il y a même des femmes qui faisaient le toilette. Ils avaient un couï spécial. Pour faire le toilette, parce qu'il n'y avait pas d'eau à l'époque, tout ça. Ah bon? Oui, des femmes qui se lavaient avec leur couille, un couille qui était réservé pour se nettoyer, se laver, les toilettes intimes, à l'époque. Qui était capable de prendre ça en coin des cas-là. Des gens oublient tous ces trucs-là existaient par le passé. Parce qu'il n'y avait pas d'eau courante. On regarde dans le robinet, pourquoi on veut de l'eau. Robinet, les gens avaient des carafes. Il faut que j'emmène une carafe, les carafes en terre cuite, où les gens, ma grand-mère, mettaient de l'eau dans sa carafe, l'eau était fraîche, et elle mettait dessus une serviette. À l'époque, les gens couvraient tout ce qui était appareil radio, tout ce qui était meuble. Hein. Ils couvraient tout. Pourquoi? Parce que ils partaient tes points poussière, ils partaient abîmer, ils partaient points soleil, etc., etc. Tu vois? Donc, et malgré ça, tu avais dans certains appareils de musique, tu avais beaucoup de cafards qui entraient dans l'appareil. Et pendant la radio, je vois quand un orchestre cafard, t'as pas de musique là. Donc, elle dit non. C'est qu'à faire ça dans le machin. Il y a quand même des fils là, comme la musique là reste tellement forte, ça a fait bouger. Donc, il y a quand même donc, c'est quand même un concert de cassard, de cafard à dans la radio qu'à jouer. Tout ça, c'est des souvenirs. Donc, voilà, des souvenirs. Ok. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Philippe Piloton? On va quasiment boucler l'émission. Moi, je constate, c'est vraiment un plaisir de t'entendre. T'as vu, je me fais tout petit quand tu es dans ces émissions parce que j'écoute et surtout j'apprends. Si je veux en savoir un peu plus, est-ce qu'on peut trouver toutes ces infos sur les réseaux? Comment toi tu communiques? Comment est-ce que toi tu fonctionnes? Je communique sur les réseaux. Je donne aux gens mes informations, mes sources. Ils peuvent aller vérifier, etc. Et puis donc. Je ne dis pas la science infuse, comme je le dis encore, mais je regroupe toutes mes informations, je vais aller chercher mes informations, les endroits où on peut les trouver, etc. Et je les regroupe et j'arrive à trouver effectivement la définition, la provenance, etc. Donc ça, c'est important à savoir. Voilà, et puis donc je fais profiter aux gens de mon savoir, tout simplement. Okay. Parce que ça t'amène quoi pour toi? C'est ton truc, quoi. Tu as le doigt, hein. C'est ton truc. Ça dit comme quoi que... Il ne faut pas garder pour soi ce qu'on a appris, parce que ça permettra à ceux qui viennent demain d'avoir une avance dans beaucoup de domaines pour aller plus loin. Tu vois ce que je dis? Pour aller plus loin. Parce que si maintenant tu as un enfant qui naît, qui ne sait pas que le micro a la parole, s'il va chercher d'abord est-ce qu'il a de la parole, le micro, etc., il va perdre des années. Mais si déjà il sait que le micro est fait pour parole, etc., il aura déjà ça en moins à chercher. Oui, pour moi, la jeunesse, c'est Google. Hein. Il y aura googlisé, hein, Philippe. Oui, mais malheureusement, comme je te dis encore, je ne sais pas où on va, mais on me dit souvent que la technologie est en train de doubler l'homme, mais je crois que c'est vrai, parce que les jeunes aujourd'hui, je crois qu'ils sont perdus. Ils ont trop mis en avant la technologie sans, je ne suis pas contre, hein, mais sans savoir comment ça fonctionne, savoir comment ils peuvent faire au cas si un jour il y a un problème. Parce qu'en cas de quoi, bâti mon appareil en 4 là, il n'est pas ni portable. Comme un 4 routier, quoi, de Lissabon, comme on lit ça, ils ne savent pas. Ils pas savent. Alors que moi, jusqu'à avant l'arrivée du GPS, j'utilisais ma carte routière. Et des fois, ça peut m'arriver. J'ai toujours mon portable avec une carte routière. Je me dis que si mon portable tombe en panne, on ne sait jamais.
où j'ai pas de réseau. Ça peut arriver qu'il n'y ait pas de réseau. Mais j'ai ma carte routière, je peux dire, ben, mon poids est là, en carte ouverte. Voilà. Donc c'est magnifique, c'est merveilleux, simplement. Un homme heureux dans l'ensemble pour toi, Philippe, qu'est-ce que tu voudrais qu'on garde de toi comme, comme souvenir, si mon père souhaitait en Bayrivo, mais d'un matin en Bayrivo? Que j'étais un mec aimant, qui aime faire partager mon savoir. Passionné aussi. Hein. Passionné, qui aime donner aux autres. Voilà, tout simplement. Le reste, après moi, c'est que du futile. Le reste, là, tout ce qui est technique pour toi, c'est une bonne chose ou pas? C'est-à-dire que le monde va bien. C'est-à-dire, quand tu vois là où vont les choses, nos jeunes, c'est Wise, c'est Internet, c'est les réseaux, tout se fait maintenant avec le portable. Il ne peut, tout c'est Internet. Hein. Tiens, moi, elle a envoyé un truc à vous. Papa, tu as changé le code Wi-Fi? Ils sont revécus. Hein. Je te promets. Moi, souvent, je change le code de chez moi. Et mes enfants, lorsqu'ils viennent chez moi, mes filles, papa, tu as encore changé le code Wi-Fi? Avant, il dit bonjour. Hein. Non, mais bon, il faut faire avec parce que bon, c'est l'évolution du temps. On n'y peut rien. C'est vrai que si nos grands-parents, même ceux qui sont morts il y a 20 ans, revenaient en vie, il verrait un peu l'évolution des choses qu'une télévision. Parce que je me rappelle, j'ai une tante à moi qui est montée à peu près une trentaine d'années. Lorsqu'est arrivée la télévision avec la commande, parce qu'avant, elle a connu la télévision, mais sans commande. Télévision sans commande? Oui, il n'y a pas la commande. Donc, au début des années 80, je me rappelle. Mmh. Donc, j'avais offert à ma mère une télévision et j'avais une commande de France, etc. Disons, et donc, commande avec fil? Non, enfin oui, comment. Non, mais non. Il y avait un capteur derrière à l'époque. C'était encore au balbutiement, je te dis. D'accord. Tu mettais un petit truc derrière, un genre d'émetteur. Ok. C'était une télévision japonaise. C'était une. Okay. Bref. J'avais testé en Afrique. J'avais testé à Djibouti à l'époque. C'était en 82. Et donc, il y avait le film. Mais celui-là, c'était les premières télévisions où il y avait un petit truc que tu mettais, un petit jack que tu mettais derrière. Mmh. Et la télévision avait un truc. Mais il ne fallait pas être trop loin parce que je n'ai pas capté. Sous pas à n'importe quoi présent. Ça captait bien. Et donc, mon gars dit, t'entends-moi comme ça, gars, on a fait la magie. Elle me dit, comment la magie? Tout de bon? Elle m'a dit oui. Elle m'a dit, télévision maison sous la 2. Mon gars, j'ai tac. Elle dit, ouais, mon nom d'eau de magie. C'est pas vrai. Oui. J'ai beau lui dire après, non, mais l'autre, t'as pas vrai. C'est bizarre comme ça. Elle m'a dit, ah, pourquoi m'a dit pas moi? Dis la vérité, ou pas, dit machin. On n'y a pas encore, pourquoi? C'est horrible ça. Non, mais c'est pour te montrer un peu. Bon, elle avait déjà plus de 80 ans à l'époque. Donc, pour elle, elle ne comprenait pas. Je dis, c'est bizarre qu'elle fait ça. Elle dit, pourquoi mentir? On ne va pas dire la vérité. On doit procéder. Elle dit, non, c'est bizarre. Elle dit, mais qui m'a dit de faire ça? Il part à toucher, il part dedans. Elle ne comprenait pas ça. Tu comprends ce que je te dis? Donc, s'il y a des gens qui reviennent en vie aujourd'hui, on l'a connu, mais ils vont dire, mais là, nous y est, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Même ceux qui à l'époque, ne pensaient même pas que les avions allaient voler sans pilote, que les trains, etc. Le monde pour toi, Philippe Pilotin, le monde va vite hein, quand même. Le monde va vite, mais je pense que cette avancée technologique, elle est dangereuse pour l'humanité. Ok. Et toi, qui es de la Martinique, souvent tu pars au pays, tu vois ton pays avancer, ou tu te dis, il nous manque encore des choses à faire. C'est-à-dire que, comment c'est le pays a évolué ou pas? Le pays a pas évolué. Oh là! Parce que Philippe, attention, quand ils vont partir, t'as la rémée dans les réseaux, tu vois qu'on te fait. Le pays n'avance pas en Martinique. Pour non. Toi, tu penses que le pays n'avance pas? Le pays n'avance pas. Je pense que le pays est dépassé par les événements. Déjà, aujourd'hui, tout pour ni portable, tout pour ni machin, etc., voiture, machin, etc., électrique, paquet de machin. Mais le minimum, c'est pas ça qu'il faut vivre. Ou des gens nous ont dit qu'il n'y a pas qu'à manger à faim, yo. Faut pas l'oublier. Tu as des personnes âgées. Qui sont laissés à l'abandon. Tu as la sagace qui empoisonne des gens. L'eau passée par Borobé, tu vois toutes les maisons qui sont vraiment, qui a pourri les appareils ménagers. Tu te dis, il y a un problème. On est au 21e siècle. Comment on n'a pas trouvé une solution pour pouvoir permettre à ces gens de rester chez eux, de ne pas fuir la réalité? La présidente est obligée de regarder côté où vous pouvez bien la main parce que réfléchis, est-ce qu'il y a une sagace qui a un ami qui habitait près chez Saint-Pierre? Je voulais prendre un peu de main. Il y a la sagace qui dit non, cette année. Il y a un problème quelque part. Donc, il faut aujourd'hui qu'on puisse évoluer avec son temps et que les politiques aient trouvé des solutions pour pallier à tout ce manquement-là. Parce que l'avancée, ce n'est pas que la technologie, c'est le bien-être au quotidien aussi. C'est manger à sa faim, parce qu'on est important, mais ou pas à manger, ou quoi à mon faim. Eh bien oui, ou pas ni de l'eau. Tu trouves qu'en Guadeloupe, par exemple, à Capesté, ils n'ont pas de l'eau, alors qu'il y a des rivières.
y a des blocs à machine, il y a un problème quelque part. Donc, c'est, je veux dire, c'est ça, je veux dire. Donc, je dis que le pays n'avance pas, on régresse dans ce domaine-là. Pour qu'un pays marche bien, c'est pas qu'au niveau technologie. C'est au niveau que du quotidien que les gens soient à l'aise. Tu as des gens qui n'ont même pas de boulanger dans le coin. Il faut acheter pain pour la semaine, etc. Il y a plein de choses comme ça qui ne vont pas. Qui ne va pas dans le pays. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Voilà. Et quand tu regardes le réseau routier, qu'est-ce que tu te dis, Philippe? On a quand même progressé ou pas? Il y a certains endroits dans le réseau routier a progressé, mais il y a des endroits où on devait faire un sacré effort. Sacré effort, je trouve. Parce que des fois, on est des niches pour l'Aria, on est des fois, là, quand il n'est pas bon, ou quand il n'est pas bon, on est des Saint-Joseph, tout ça, etc. Ou quand on voit un petit brin bambou qui a poussé dans ces fils électriques-là, qui a poussé dans ces fils téléphoniques-là. Et puis, quand il va passer, on ne peut pas les limiter encore. Il y a un problème. Tu vois, là, on est entré dans la période de cyclone, hein, du 1er juin. Ouais, cyclonique. Ouais. Les maires de ces communes-là auraient dû payer des gens dans un secteur bien défini pour leur dire à l'année, eh bien, il faut sa propre panier pompier bois qui a poussé dans ces fils électriques-là, pour que dès un matin, s'il y a un vent qui vente, un cyclone pété, pour que de ne pas arrêter sans lumière, sans de l'eau, tout ça. Il y a tout ça à prendre en considération. Les caniveaux sont bouchés le plus souvent. Ce n'est pas critique, c'est une critique positive. Tu as des caniveaux qui sont bouchés, Zeb Kaboussa dedans, il y a un problème. Je sais très bien que nous comptons un petit cyclone du 1er juin jusqu'au 31 décembre. Donc il faut pallier à ça. On le sait tous je les ans. Je trouve que tu parles beaucoup de par tes interventions. Avec tout le respect que je dois à Philippe, je trouve que tu parles beaucoup des politiques. Tu penses qu'il n'y a pas que, il y a nous aussi quelque part. Oui, mais... J'ai l'impression que tu mets tout sur les politiques. Alors, je vais t'expliquer pourquoi je mets tout sur les politiques. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il faut savoir que le politique, comme en France ou partout, c'est eux qui ils ont mis la main sur tout. D'accord? Tu ne peux pas décider maintenant quand ils coupent ces bolaria comme ça. Qui doit couper ces bolaria? Est-ce qu'on m'a dit maire? Maintenant, tu peux dire tout ce que tu dois faire, ou c'est peine caillou, à présent, je demande est-ce qu'on m'a dit autorisation peine caillou. Donc, à partir du moment comme quoi qu'on t'impose ça, il faut qu'eux aussi agissent en conséquence. C'est normal. Là, c'est pareil, par exemple, là. Ou peut-être décider qu'il y ait peine bâtiment vers un autre. Voilà. D'accord. Et bien, dans le cas contraire aussi, assumer aussi Wallou. Ce que je veux dire. Donc voilà. Il y a une paralysie sans autre. Comment dirais-je? Le politicien anti, lorsqu'il vient en France, tu penses qu'il a écouté Philippe Pilote hein? Mais non. Oh là là. Il n'est pas écouté. Combien de politiciens anti-hier qui viennent. Les députés ne sont pas écoutés? Ils sont écoutés par leurs camarades, leurs collègues, mais après ça, en tout cas, ça sortit là. Dis-moi, quelle politique qui est venue en France, qui est venue pour poser un problème et que c'était résolu? Dis-moi. Les problèmes des billets d'avion sont résolus? Est-ce que c'est résolu le problème des billets d'avion? Dis-moi. Est-ce que c'est résolu? Dis-moi. Le fait que les billets d'avion coûtent cher, quel est ton ressenti dessus, Philippe Pilotin? Eh bien, je trouve qu'il y a une exagération aussi. Je ne dis pas que la vie n'a pas augmenté, mais il faut savoir que nous sommes une manie financière pour ces compagnies-là. Ils savent comme quoi qu'on est pris à la gorge. C'est tout. Donc, vous savez, l'on pas les conquis, on va faire ça. Hein. Regardez, par exemple, Air France, ici, hein. D'autres compagnies commençaient, et les trains commençaient, et machin, le train commençait les concurrencer. Ils ont baissé les prix. Donc, ça prouve bien comme quand tu étais baissé avant. Pourquoi tu n'as pas baissé avant? Quand tu es en conquis, tu es baissé. Donc, bien qu'il y ait des monde. Donc, il faut arrêter de prendre pour des imbéciles. Donc, je trouve que ce n'est pas normal, quelque part. Je ne dis pas que ça n'a pas un coût, c'est vrai. Mais qu'on m'explique pourquoi. Le billet d'avion est aussi cher, alors que ça ne justifie pas ces prix-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'augmentation de la vie. Mais il y a de l'abus quand même. Il y a de l'abus. Il y a de l'abus. Et moi, j'ai vu une compagnie d'assurance, enfin une compagnie à laquelle j'ai voyagé il y a 2 ans. J'ai pris une assurance en cas de problème. Je partais aux Antilles à l'époque parce que je savais qu'il y avait le Covid. Je me suis dit, au cas s'il y a un problème, que je ne sois pas, lésé. Je les ai appelés, ils m'ont dit, pour l'instant, ils n'ont pas de vol pour pouvoir me rapatrier parce que on ne pouvait pas sortir aux Antilles. Ils avaient restreint les sorties. Je dis, à quoi bon d'être aux Antilles, c'est fait maintenant case. Autant moi, il faut qu'en France, métropolitaine, où j'avais encore le choix de pouvoir sortir, à l'ailleurs. Eh bien, je peux te dire comme quoi que je n'ai pas pu voyager. On m'a dit, il n'y a pas de place pour faire voyager. J'ai été obligé de repayer un billet d'avion pour repartir en métropole. En arrivant, j'ai demandé de me rembourser parce que j'avais une assurance en conséquence. Tu sais, sur un billet de 1200 euros, combien ils m'ont remboursé? 24 euros qu'ils m'ont remboursé. Ah ouais? En me disant que l'assurance que j'avais prise ne couvrait pas
ces situations. Alors, je dis que ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est l'État qui a décidé aujourd'hui. Et l'État avait bien dit qu'on allait être remboursé. Ils ne m'ont pas remboursé. J'ai attendu une année pour me faire rembourser. J'ai fait des couilles. On m'a demandé, écrivez à un machin, je passe de la compagnie, pour ne pas le faire de l'ombre. Bon. Mais moi, je ne voyagerai plus cette compagnie. Et je déconseille les gens de voyager là-dessus parce qu'ils font payer l'assurance. Ils vous racontent des bobards en disant que oui, prenez l'assurance en cas de machin, vous êtes tranquille. Mais le jour J, on vous va vous raconter des bobards en disant qu'on que oui, mais ce n'est pas pris en compte parce que c'est cela, des conneries comme ça. Non. Voilà. Ton mot de la fin serait quoi? Et puis on va boucler l'émission. On se retrouve dans un mois, si possible. On se retrouvera pour la rentrée prochaine, septembre. Ton mot de la fin serait quoi? Et puis qu'est-ce qu'est ton message, mon ami Philippe Pilotin, à toute la communauté, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et puis aussi la France des Antillais, qui est peut-être, alors pas oublier, si vous êtes les contacter, Philippe Pilotin, vous allez directement sur déjà sa page Facebook, et puis est-ce qu'il y a un numéro de téléphone peut-être, non ? Oui, non. Moi je vais pas 06 71 82 58 49, il peut m'appeler. Vas-y, oui, Manuel, alors 06 71 82 58 49. Tout le monde a ce numéro, ça ne te dérange pas. On peut t'appeler, te faire des bisous et t'insulter aussi. C'est moi, j'ai le dos large. Hein. Ouais. Voilà. En tout cas, je pense quoi. Tchengam a dit aussi que ce monsieur que vous voyez, il est célibataire. Donc si tu vis à Lyon, à Bordeaux, à Strasbourg, tu es une belle femme et il sait très bien cuisiner. Va sur sa page Facebook, Philippe Pilotin. Vous verrez les bons plats qu'il propose. Et puis aussi en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, si vous êtes belle femme. Quel âge, Philippe? Moi, mon dos là, Jo. J'ai plus de 60 ans. Plus de 60 ans. Mais il m'a pas caché chez femme, hein. Parce toujours, que... tu es toujours, et puis, quand on est en forme, pourquoi pas ni boudin, tout va bien, il est sportif. Il a une belle voiture garée dehors, on va pas dire laquelle. Donc, il est bien, ça va, quoi. Ça va, Philippe. Oui, ça va. Je ne peux pas me dire que je suis malheureux. J'ai une copine à moi qui m'a appelé, dont je tirais le nom, qui m'a dit, Jean-François, c'est sûr que Philippe Pilotin est célibataire. Je dis, je sais pas, c'est ça qu'il a dit à la télé. Il est sûr, parce qu'il manquait de crier, hein. Il m'a dit, si vous voulez crier. Mais je suis pas un cœur à prendre parce que je coupe pas les femmes, je cherche pas. Non, tu as jamais été un homme coureur, Philippe. Non. Non, c'est les femmes qui. Et puis tu as tous tes cheveux, je vois. Comment tu fais? Alors, je comprends pas. Comment, justement, pas de calvitie à ton âge. C'est extraordinaire. Comment tu as géré ça, Philippe? Non, mais j'ai des frères qui ont de la calvitie. Ça dépend des gènes. Hein. Chacun, bon, de la famille, il y en a qui en ont, qui n'ont pas. Voilà, on n'est pas fait. C'est-à-dire que dans les mêmes familles, on peut vieillir différemment. Chacun ne vieillit pas de la même façon. Hein. Tu vois même des jumeaux qui mangent la même chose, qui font la même chose. Ils vivent différemment. Ça dépend des gènes, etc. Donc, c'est la vie. Voilà, donc c'est comme ça, quoi. Ok, Ribano, numéro de téléphone, nous aussi, de contacter Philippe, les moments-là, même ça, VIP, mais quand je suis en forme, il va aller dire la vérité. Donc, 06 71 82 58 49. Voilà. Merci en pile. En tout cas, François, je te dis merci beaucoup. Je conseille à beaucoup de nos compatriotes, c'est vrai qu'on n'a pas de médias actuellement qui peut détrôner, je dirais, télévisé, qui peuvent détrôner Téléanti. Oh. Non, il faut dire appelons un chat. Parce que c'est vrai que avec tes petits moyens, tu arrives à donner du plaisir aux gens, à faire de belles choses, à donner aux gens de la parole. Je te dis encore mes respects. On ne le dit pas assez. Et comme je dis encore, il serait temps que notre communauté prenne conscience de ça, puisse t'aider ceux qui ont de l'argent à foutre par les fenêtres. Et me dit, je pense quoi? Eh bien, je ne parle pas en bon dans l'audiovisuel, mais je pourrais t'apporter ma contribution. Voilà des sous pour pouvoir être plus bien pour qu'on puisse. Je te rassure, le peu que tu m'apportes en venant sur ce plateau, on tient à dire que nous sommes une association, donc le peu que tu puisses m'apporter, c'est de venir une fois par mois, ça me suffit et vraiment, on le répète. Alors pour être franc avec toi, Philippe, toi tu connais, on a un ami en commun qui s'appelle Jeff. Mon père, imaginez que la télé t'est coûté aussi cher pour moi. Je sais. C'est plimé, moi. C'est-à-dire, je suis plimé, déplimé, mais on est des passionnés. C'est pourquoi tu dis que les gens ne savent pas un peu. Ils savent pas. Que le soir, quand tu dors, tu ne sais pas demain matin ce que tu sais. C'est clair. Donc, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, prenez conscience de ça. Parce que vous critiquez, la critique est facile. Oui. Mais mettez des fois la main au portefeuille pour dire, je veux soir. Mais il n'y a pas faute comment. Mis en machin pour faire machin. C'est pas ou pas qu'à demander, je veux dire. Même si tu es une association, parce que le matériel coûte, il y a des choses à machin. Il y a des frais, il faut que les gens le comprennent, ça. C'est vrai. Il faut que tu évolues, tu vas avoir du matériel récent pour être au top des faits, parce que pour que tu passes des images, c'est des images de qualité, etc. C'est clair. Il faut que les gens le comprennent, ça. C'est pas là pour faire le mendiant, comme je disais, mais. Pour nos consciences que c'est quand même important tout ça, que quand tu fais des manifestations, que la télévision, que les affiches, que tout ce qui est là, ça a un coût, c'est pas tomber du ciel comme ça. Voilà.
Merci en pile. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine ce Radio Show, deuxième édition. C'était la deuxième partie. Nous étions avec notre ami Philippe Pilotin. Et puis, Zot P. aussi Crieyi, si ces interventions, vous les avez trouvées, je dirais, pertinentes, vous pouvez l'appeler avec grand plaisir. Moi, ce qui m'a touché, toi, Philippe, en toute honnêteté, parce que je te suis aussi sur les réseaux, donc à suivre les réseaux, tu es quelqu'un qui n'oublie jamais. C'est-à-dire que quand c'est l'anniversaire de la mort de quelqu'un, pourquoi tu fais ça, en fait? C'est parce que... On ne doit pas oublier, tu penses? C'est... J'ai dit, il y a trois morts. La première mort, c'est l'oubli. Ouais. Et c'est la pire des morts. Ouais, plus belle, c'est l'oubli. L'oubli. Ouais. C'est ça, je n'ai pas compris encore. Donc, je dis comme quoi que si demain matin, on veut que notre histoire perdure, qu'on sache qu'il y a des gens parmi nous qui ont fait de belles choses, qui ont laissé des choses, eh bien, c'est à nous vivants de toujours parler d'eux pour que les jeunes qui viennent demain puissent faire vivre leur mémoire. C'est pas vivre avec les morts, c'est pas ce que ça veut dire, parce que d'autres qu'a fait. Pourquoi nous ne pouvons pas faire nous? Qui nous fait ben nous? Tu vois, c'était loi, tous ces gens sont morts. Qui c'est qui parle d'eux si c'est pas nous de parler d'eux? Personne ne parle. Là, c'est l'anniversaire bientôt de Gilles Fleureau, de sa mort. Combien de temps déjà pour Gilles Fleureau? Il est mort en 1999. Tu vois déjà. Donc, si les gens ne parlent pas de lui, qui parlera de lui? Donc, c'est faire découvrir aux jeunes tout ça, ça, c'est important. C'est notre histoire. Donc, faisons-la vivre, entre contemporains, les radios, les médias parlent de ces gens-là. Ça t'offusque un peu, tu es aussi un tout petit peu en colère. C'est-à-dire, tu penses qu'on oublie vite, Philippe? On oublie vite. Tu vois, par exemple, je vois, comment ça s'appelle, Edith Lefebvre, c'était au mois de décembre, le 20 décembre. On n'a pas fait grand-chose, on a fait beaucoup de bruit quand elle est morte. Là, au mois de mai, là, le 29, c'était l'anniversaire de la mort de Jacques Bacbor. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est vrai. On n'a rien fait. On a pu faire quelque chose, passer toute musique là dans les radios. Non, il n'y a rien. On n'en parle pas. C'est l'impression. Pourtant, les gens, ils disent, ah ouais, c'est un grand chanteur, on écoute des disques, ils dansent. Mais il y a un problème quelque part. On oublie vite. Par contre, on mettra en avant, tu vois, Tina Turner. J'ai un compte Tina Turner. Quoi? Tina Turner, j'ai un compte Tina Turner. Ouais, ouais. Mais tu vois, t'as l'impression comme si c'était fouet, c'est tout entier. C'est pas méchant, ça va dire. J'aurais aimé que ça se passe comme ça aussi. Qu'est-ce que tu as dit pour Tina Turner au moins? Moi, j'ai l'impression que c'était fouet et puis c'est tout entier. Là. Pour qui ça? Parce que tout le monde a mis Tina Turner et moi, c'est bien. Mais fait aussi, laisser un monde bocaille, nous. On a Faute Désir qui est mort. Combien de gens ont mis Faute Désir? C'est vrai, il a fait Maman Doudou. Tout le monde connaît ça, moi, soit belle machin. Tu vois, c'est ça que je reproche à nous entier. On est champion pour mettre les autres en avant, ce que font les autres en avant. Jamais nous, ce qu'on nous faisons. On aime nous dénigrer. Tu vois ce que dit la jeune voix des Arabes, parce qu'il n'y a pas les bons. Pourtant, je dis une vérité. Ils ne vont pas l'accepter. C'était un étranger qui dit ça, il dit ça quand même. C'est une raison. Parce que c'est un étranger. Mais venant de moi, ce n'est pas une critique que je dis. C'est qu'il faut prendre conscience de ce que je dis. Ben, ils vont me critiquer. Ils critiquent à bout les blancs et moi. C'est qu'il n'y a pas les bons. Non. Défendons ce qui nous appartient. Merci en pile. C'est tout. Belle parole. C'est avec. Il n'y a rien à dire. Belle parole. Nous finis, nous boot. Donc, on remercie Télé Anti, Télé Pays, Afri, Orange et Bibox. Et donc, on remercie aussi KMT pour le suivi de cette émission, le Radio Show. Je vous souhaite tous et toutes tout plein de bonnes choses. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition. À très bientôt. Je vous aime. Au revoir. Télé Anti, Jean-François Saint-Louis, le Radio Show.